Bonjour à tous, bonjour Franck, nous sommes en direct du Vélodrome, un stade que vous connaissez très bien Franck. Oui en effet, j'ai fait quelques matchs ici, en tout cas bonjour à tous et bienvenue à Marseille. Marseille face à Paris, c'est évidemment un match à part qui tourne un petit peu à l'avantage des Parisiens ces derniers temps. Oui, pas faux, hein. La saison dernière, Marseille n'a pas battu Paris, hein, le club parisien. Et qu'est-ce qu'il faut attendre de l'OM, Franck, dans ce match? Bon, il est temps d'en finir avec ce championnat. L'équipe terminera dans le ventre mou du classement. Les dirigeants ont déjà sûrement la tête à la saison prochaine. Bon, c'est pas à vous, Franck, que je vais apprendre des choses sur le stade Vélodrome de Marseille. Ah, j'ai le grand souvenir, c'est vrai. Hein. Quel public, quelle ferveur autour de l'OM. Pour les grands matchs de Coupe d'Europe, il y avait vraiment une ambiance à part. Je crois même que ça faisait un peu peur. Il faudrait peut-être venir en soutien pour l'aider. Cavani. Là, il trouve la Lavezzi sur cette passe lobée. Quel effort sur Oh, la belle frappe! Oui, formidable arrêt du gardien. L'attaquant a eu son poids, toute son énergie sur cette frappe. Il tacle. Qui sera le premier sur le ballon? Gignac. Je le tire. Oh, ça y est, il y est. Le match qui commence vraiment maintenant. Voilà, après cette ouverture du score, ça fait 1-0. Mata. Bien taclé, mais le ballon n'est pour personne. Lavezzi. Thiago Motta. Ouais, une frappe hors du cadre, largement au-dessus de la barre. Dimitri Payet. Gignac. Oh, c'est le pressing à tout là maintenant. À l'équipe à domicile veut gêner l'adversaire dans la construction. Djadjadj. Romao. Ah non, ça ne passe pas. Dimitri Payet. Grégory Mundaville. Ballon piqué pour Ibrahimovic. Très facile cette récupération. Djadjadj. Gignac. Attention à cette perte de balle au milieu. Mathieu Valbuena. Aucun problème pour le gardien qui n'a pas eu besoin de forcer son talon pour arrêter ce ballon. Mathieu Valbuena. Djadjadj. Attention, la réception se centre. Oh, et c'est dedans. Oh, je crois qu'il va vraiment falloir le marquer de près aujourd'hui. Ça fait 2 buts déjà pour son compte personnel. Et cette superbe tête qui finit au fond des filets. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Et ils accentuent leur avance. Le score qui est désormais de 2-0. Dimitri Payet. Mais
joueurs à domicile qui vont presser maintenant. Nouvelle tactique demandée par l'entraîneur. Djadjé. Il a bien sauté hein, pour éviter le tacle. Et le jeu se poursuit. Il y a avantage, c'est bien arbitré. Finalement, l'arbitre a décidé de lui mettre le jaune. Et après mûre réflexion, on dirait. Hors jeu, il est parti trop tôt. Allez, trop tard. Trop parfait. L'appel de balle, Dimitri Payet. Grégory Bidarville, ingénieur pressé par son adversaire. Et le défenseur à la tombée du ballon. Oh, c'est le pressing à tout va maintenant. À l'équipe à domicile veut gêner l'adversaire dans la construction. Jadissement du défenseur sur cette interception. Non, elle a. Un drapeau s'est levé, il avait quelqu'un un petit peu tôt. On confirme qu'il ne faut pas le laisser sans surveillance, ne serait-ce qu'une minute. Oh, très belle action, on sent son expérience et sa classe. Tiens, regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Très bon tacle. Alex. Cavani. Et le ballon qui change de camp. Magnifique. Romao. André Ayou. Djadjé. Autorité, c'est bien joué. Le ballon est donné de la tête. Ah, il n'a pas eu à bouger le gardien. La fin de la première période. Une première période un peu surprenante quand même. Une première mi-temps un peu assassinée. Le reflète parfaitement bien. Bon, il n'y a pas eu de match hein, dans les 45 premières minutes. Espérons que l'équipe arrive à refaire surface. Et l'attaque qui est stoppée. Djadjé. Casmendes. Noël. Mathieu Valbuena. Il n'arrive pas à contrôler le ballon sur son tacle. Terreni. Et devant leur public, il décide de presser. L'objectif est clair, c'est d'étouffer l'adversaire. Un bon pressing du défenseur. André Ayou. Oui, bien pris. Mota. La victime. On est finalement à la touche. Tu dis. Prochain arrêt de jeu, les visiteurs vont faire entrer un petit peu de son neuf. Martin
Parisien va faire son entrée sur le terrain. On va voir si c'est du poste pour poste. Une très bonne intervention à nouveau. Dimitri Payet. Et c'est récupéré. Dominés, ça c'est incontestable, mais là ils ont su prendre leur chance. Ouais, c'est bien, ça va peut-être les relancer un peu, leur redonner confiance. On voit bien avec ce changement, la mission est de tenir le résultat. Et ça fait maintenant 3 buts 1 au tableau d'affichage. On va se battre à la tombée. C'est contré par le défenseur, dommage. Ah, il perd le ballon. Cavani est à la réception. Ils sont à la lutte. Oh oui, parfaite la récupération. Ah, le PSG qui obtient donc le corner. Ah, l'entraîneur n'a pas abdiqué, il remanie son équipe, il la sent capable d'égaliser. Avec un changement à l'instant, le cadre passe dans les airs, mais sa tête n'est pas cadrée. Et le gardien a eu chaud, hein. C'est clair, vu son taux de réussite habituellement dans le jeu aérien. Ce sera une sortie. Oh, le ballon récupéré, c'est bon. Le centre, ça peut aller au bout. Il cherche Ibrahimovic. Et la voilà, la frappe. Ouais, intervention du gardien qui repousse. Et ballon rendu à l'adversaire. Donc un bail. Romao. Ballon pour Valbuena. Bien centré, le défenseur est le premier sur ce ballon. Ah oui, dans l'axe, il y a des solutions. Bah, il faut qu'il centre maintenant. Mathieu Valbuena. Dégage avec autorité, c'est bien joué. Le ballon qui se perd. Le ciel du stade. Ouais, l'entraîneur qui n'a pas le choix maintenant pour égaliser, il faut qu'il fasse rentrer du 109. Ballon piqué pour Ibrahimovic. Drapeau s'est levé, ce qu'on appelle le bal un petit poteau. Je crois qu'il est parti un petit peu tôt. Ah,
Elle s'est blessée et d'après le geste, ça ressemble à une élongation. Une frappe hors du cadre, largement au-dessus de la barre. Ballon pour Valbenard. Les tirs en chiffres, vous pouvez les lire. Djadjé. Romao. Les joueurs qui vont pouvoir regagner les vestiaires à présent, c'est terminé.